va, c'est tout joyeux, c'est tout choupi, les gars. Mais pas là pour faire de cadeaux, parce que ce soir il y aura des vannes. Voilà, je le dis haut et fort. Donc le concept du jour, les mecs, les gens vont passer en vocal, voilà, pour me présenter leur opening préféré. Voilà, de préférence des openings que je ne connais pas. Après, vous pouvez mettre un opening que je connais déjà, tu vois, mais après, ça intéresse que c'est péril. Hein. Tu auras une minute pour me teaser ton opening. Je regarde ton opening. Bah, si l'opening me plaît, je te donne un sub ou autre chose. Par contre, les gars, si j'aime pas, ça dégage, je tourne une roue et vous faites sanctionner instantanément, les gars. T'as un opening à me présenter du coup? Ouais, alors l'opening déjà c'est l'opening des carnets d'apothicaire. C'est un animé qui est sorti il y a pas longtemps. Et l'opening il bouge, il est vivant. Dès le début tu sens que ça commence fort. C'est pas comme certains openings où c'est lent à démarrer, le drop il est pas ouf. Là c'est un banger du début à la fin. Genre il y a une bonne gestion des instruments. Même le visuel il est beau. Dès le début tu vas sentir la vibe de l'opening. C'est quoi, c'est du rock? C'est quoi comme style genre? Non, c'est de la J-pop. C'est un truc kawaiiné un peu? Non, pas kawaiiné. Ok. Mais c'est une femme qui chante. Oh et... oh wow, non, la dingue. C'est pas une femme, c'est un homme. Okay. Un homme avec une voix de femme. Non, franchement, l'opening est magnifique visuellement et auditivement. Ok, vas-y, bah on va regarder ça tout de suite. Alors, Monsieur Guardian, en vrai de vrai, il était grave bien. Le drop est incroyable. C'est dur de pas broncher. Genre, il y a un moment au début, j'ai senti la batterie et tout. J'étais en mode, j'avais vraiment envie de bouger les épaules et tout. C'était très compliqué. Ah non, franchement, il est clean. Hein. Ça donne même envie de regarder l'anime en vrai. C'est l'anime de l'année. Ah ouais? Bah alors, malheureusement pour toi, ça m'a procuré des émotions, mais j'ai pas dansé. Enfin, j'ai pas, tu vois. Je vais devoir te sanctionner quand même. Les gars, faut me lâcher votre meilleur poulet là. Hein. Voilà, tu vas prendre 5 heures. Putain, dommage. Si là, maintenant, t'arrives à faire en sorte que quelqu'un lâche 5 subs, bah tu te fais. Vous faites pas voir, c'est une technique de marketing. C'est pas du marketing, en fait. Les gars, vous laissez tomber un soldat comme ça, en fait. Le gars, il s'est battu, vous propose du poulet, un opening de qualité, et vous l'abandonnez comme ça. Regarde tous les rats, mec. Ah, voilà, merci le tabouret des hasards. Tu vois, ça, c'est un vrai soldat. Merci à vous, les autres, et j'espère que vous faites tous ban. J'espère voilà. De tout mon cœur. Vous devez être unis et solidaires. T'as bien présenté un opening ou quoi? Alors c'est l'opening en japonais de Pokémon XYZ. Ok, d'accord. Dès le début déjà ça commence hyper bien. Jusqu'à la fin ça bouge et tout. C'est énergétique. En plus de la musique, en plus le visuel, tu dis ah ça va être banger. On va s'amuser, ça va être incroyable. On va tester, ça va. On va dire que t'as passé l'entretien. En vrai, on aurait dit un opening d'Inazuma, tu sais, genre les openings un peu saturés où ça gueule de partout. Ah, logique, c'est le même studio, quoi. Ah, c'est peut-être pour ça, alors. Je pense qu'en français, il aurait été mieux, en vrai. Attends, tu sais quoi, je vais l'essayer en français. J'ai rien dit, mon ref, c'est bon, j'ai vraiment rien dit, je suis désolé, je sais pas pourquoi j'ai voulu m'avancer pendant quelques secondes, non, c'est atroce. Juste atroce. Mais là je vais juste tourner la roue. Du coup, on se reverra demain. Pour toi, c'est des petites vacances. Ouais, tranquille. L'opening que je vais présenter est un opening à percer l'enfance de beaucoup de monde et l'adolescence de certains. L'opening 1 de SAO. Okay. Une ambiance assez rock, quand même, un peu, avec des sons et des beaux visuels. Ok, mais t'es quasiment sûr que je vais chantonner ou au moins bouger mes épaules là-dessus? Peut-être, il y a quand même moyen, un peu. Ok, on va voir. Hein. Incroyable, mec, hein. Oh, le refrain, mec. Je t'ai fait bouger, j'étais heureux, je me suis dit, c'est bon. Du coup, on peut l'applaudir, les gars, c'est la première personne qui a réussi à me faire bouger. Bravo. Je vais te rassurer d'une chose. Je suis sub depuis 15 mois. J'ai resub au moment où tu m'as dit merci. Je suis l'un des premiers à avoir resub. Ah. Je prends un VIP si tu veux. C'est quoi ma couleur préférée? Entre le orange et le noir? Je dirais orange. Ok, c'est bon, t'as ton VIP. C'est l'opening 1 de Maggie. Oui, la Maggie, le truc de cuisine, là? Non, juste Maggie, The Labyrinth of Maggie. C'est l'histoire, en gros, il y a des sortes de tours qui sont apparues dans le monde et on va voir des gens, entre guillemets, les explorer. Enfin, il y a une légende dans l'anime qui dit que quand tu rencontres un certain type d'humain, ça te permet de devenir roi, en gros. Et voilà, on va suivre l'histoire de deux personnages. Oh, ça a l'air sympa. Avec le petit résumé que tu nous as lâché, ça a l'air sympa. Donc, l'opening de Maggie, il a été fait par Sid, aussi celui qui a fait l'OP5 de
de Fullmetal Alchemist Brotherhood ou encore l'OP 13 de Bleach. Et il est bien animé, visuellement ça donne quoi? C'est un parti. Visuellement c'est plutôt joli, hein. Ça a été fait par A1 Pictures. Okay. C'est très calme. Hein. Il a un tapis, le Boog. Tapis volant comme dans Aladdin. En vrai, l'opening est mignon. Hein. Pour moi, c'est un bon opening. En fait, je me suis interrogé sur l'animé, tu vois. Après, l'animé est vraiment bien. Ah, mais l'anime a l'air très très cool. Il est bien, genre, mais c'est pas le truc qui va faire que je vais twerker, tu vois. Mec, oh non, t'étais à ça d'y arriver. Là, tu vas prendre 10 minutes, mec. Là, tu t'en sors bien. Les gars, franchement, y a des viewers, vous avez de la luck, les gars. En vrai, très belle trouvaille. Ouais, c'est sympa. C'est... Alors, en fait, c'est un opening marquant de Demon Slayer. Le début direct qui est emmené avec un rythme entraînant. Bon, ok, c'est pas la langue de Molière, mais quand même, c'est incroyable. C'est du japonais, frérot. Et Molière et non, le japonais, mais... c'est... ça peut pas... Tu peux me dire c'est la langue d'Oda ou je sais pas. De Kishimoto. Demon Slayer Opening 3. Je crois que je le connais déjà. Oui, je crois qu'on le connaît déjà, mais c'est pas grave, c'est okay. Il y a longtemps. Le début, c'est quand même la fête foraine, hein, mon refrain. Alors déjà à l'époque quand je l'avais écouté frérot, je l'avais détesté, là je le déteste encore plus. Mais par contre il est très beau hein. Parce que tu vas même pas te faire ban. Frérot, tu veux ban quelqu'un du chat? C'est quoi ta couleur préférée? C'est le rouge. Tu veux pas ban quelqu'un qui dit OP supérieur à Naruto? Il y a quelqu'un qui a écrit One Piece supérieur I. Toi? Alors, c'est Steven. C'est quoi, je vais même le ban Nef. Merci Coco pour le... Tu fais quoi mon ref? Oh le screamer wesh, m'a fait peur. Moi je vais parler d'un opening sous-côté quand même, je trouve. C'est un de Tokyo Ghoul. Okay. Il est sous-côté parce que le premier, il enlève toute la lumière, je trouve, de celui-là. Je pense que tu vas bien aimer. Écrit comme ça, genre c'est beau, c'est poétique. Ah, je sais pas trop, hein. À la fin il gueule un peu, je trouve. Ouais, mais j'aime bien tout le long. Hein. Des fois il s'énerve, genre. Ah, je sais pas, je crois il a des crises. Hein. Ouais, bah en vrai, franchement, en termes d'émotion et tout, genre il m'a bien transporté. En vrai, il était magnifique. C'est pas un opening que je pourrais mettre dans ma playlist, mais genre tu l'entends, t'es en mode oh, je ressens des choses dans mon cœur de pierre. Après, c'est à l'image de l'anime, c'est très très sombre, tu vois. Ouais, putain, frère, ça date. À l'époque, les gars, ils m'aidaient de fou, genre. T'as un opening à me mettre sous la dent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je pense que tu vas kiffer normalement. Après, je sais pas. Parce que je vois que depuis tout à l'heure, il y a des openings qui passent et t'aimes pas. T'aimes non, pas, en fait, du c'est coup, pas ça en me fait peur, là. C'est juste que je me retiens de ne pas danser, de ne pas chanter, parce que sinon, je dois leur offrir un sub. Et vu que je suis un putain de rat, voilà. Alors moi, c'est un opening, il est pas trop connu. En fait, je vois qu'en ce moment, tu regardes IQ. Du coup, c'est l'opening d'un anime de volée. La musique, en fait, la musique, elle fait kiffer. Et l'opening, je sais pas, j'aime trop la musique. Et j'espère que tu vas kiffer. Ça a l'air mieux Kuroko déjà. Je reconnais cette animation, ce petit cochon là. La balle qui se plie, ça je reconnais ça. Y'a un petit plagiat qui passe en douce. Tu veux ban un sub, frérot? Ah, je dois ban un sub, mais c'est pas mal ça. Ouais, tu dois ban un sub. Attends, je regarde, y'a qui dans le chat là? Du pour coup, te faire chier, Femi, je vais ban un AFC. AFC, Steven, au revoir, bye bye. Encore lui, mais c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois, ouais. Ah bah il est reban, l'enfant. C'est un opening, c'est un gars qui chante, une demi-seconde de fanservice. Ah, oh, mais là t'as trouvé tous les arguments, frérot. Il est bien animé aussi ou pas? C'est important aussi, l'animation. Ouais, il est vraiment... ouais, il est bien animé, je trouve, il est bien animé. C'est quoi l'animé du coup? C'est Fodo. Mais il est où le fanservice mon ref là? Bah en fait je me suis trompé d'opening. Je crois que je me suis trompé d'opening en fait. C'est juste pour ce move ça mérite de tourner deux fois là. Depuis tout à l'heure j'étais concentré en mode quand est-ce que les yeux à la coque vont exploser. Oh, tu prends 10 heures, frérot. Ah putain, c'est triste. T'as rejoint Dipel Down. Mais t'inquiète, et franchement, je te le conseille vraiment l'animé. Oh, si bah, ça a l'air sympa, vraiment. T'as bien me présenter un opening qui va me faire swinger ou pas? Un bon opening bien dodu. Ah ouais? Oui, c'est, tu vois. C'est quel animé? C'est Bukigiri, c'est un animé de saison qui sort actuellement. C'est un animé un peu de gang, baston, mélangé à des dieux, un peu d'humour et tout. Ok. Y'a quoi de particulier cet opening? Il a une vibe un peu orientale dans le visuel et dans tout ce qui est sonore et tout. Okay. Et il est très ambiançant, il a un refrain qui punch bien. Et qui rentre bien en tête. Voyons voir ce qu'il y a dans le bide. Oh les visuels, what the fuck.
sont bien bacas les persos quand même. un peu. Bah, ça a l'air complètement frappé hein, comme animé. Ouais, c'est un peu déjanté, ouais. Non, tu prends 24 heures, c'est-à-dire que demain tu pourras pas regarder le live, frérot. C'est un opening de MHA. Oh. Et c'est un opening doux au début, mais après on commence qu'au milieu du terrain, on comprend que ça augmente dans le niveau, tu vois. C'est le combien ? Alors, c'est l'opening de la saison 6. Après, les openings d'MHA, c'est du poulet, hein, de base. Hein. Ah ouais frère, j'avais carrément oublié que c'était mon concept. Ah mec, il est grave bien, je le kiffe. En fait, le truc que j'aime bien, c'est que le mec, il a une voix un peu... Je sais pas, il a une voix bizarre. Je sais pas, c'est un match direct en fait. Ah, c'est celui de JJK, bah ouais, mais c'est pour ça en fait. Ok, il a quitté les gars, il pourra plus jamais revenir, j'ai pas de sub à offrir. Let's go. Ah c'est bon, ça a marché. OMG. Je suis sub. Femi Mars, ma sub sur Twitch. Ça fait autant d'émotions quand vous gagnez un sub, les gars. Attends, avant que tu partes, est-ce que tu peux juste dire à ton petit frère de dire Naruto est supérieur à One Piece, c'est important pour moi. Ah, au cas où, c'est pas mon petit frère, c'est ma petite soeur, c'est pas la même chose. Est-ce que tu peux dire que Naruto est supérieur à One Piece? On comprend pas. Je crois que ton opening, frérot, ça va être un flopito. Hein. Déjà que tu viens de la communauté de Shiro, t'es un modérateur de Shiro, c'est sûr que ça va être flopito, frérot. Bah non, c'est banger. C'est un opening dans lequel il y a des zombies, ça court un peu de partout, mais ça fait bouger, tu vois, ça met de bonne humeur. C'est bon, hein. Ça a l'air totalement what the fuck, hein. Ah, c'est quoi ça? Alors, visuellement, c'était incroyable. Après, musicalement parlant, c'était pas satisfaisant. Là, tu viens de me faire découvrir un animé, en vrai. Il a l'air incroyable. Un bel animé, il est cool, hein. C'est détente. Puis voilà, tu passes un bon moment. Ok, tu prends 10 minutes, ça c'est fait. Vas-y, oust, Darkus. Vas-y. Va-t'en, frère. Va-t'en. A plus dans le bus, les gars. Vas-y, mec, ciao.